À toutes et à tous, et bienvenue sur votre podcast. Euh, je dire hype, <laughs> c'est le la déformation professionnelle. Euh, votre podcast Warzone, hein, le podcast euh, baseball universitaire en français. Euh, bien content de vous retrouver encore une fois. Très content de pouvoir de temps en temps encore faire quelques épisodes d'ici la fin de l'année, hein, puisque comme je dis euh, à chaque fois ces dernières semaines, c'est assez calme. En tout cas, je veux dire, puisqu'il n'y a pas de compétition actuellement, hein, je vous rappelle, la compétition reprend mi-février environ. Euh, on va dire que la première semaine ou ouais, fin de première semaine de février, ça doit être la, le retour du softball. Donc, une compétition aussi très sympa. Et ensuite, euh, une semaine plus tard, en, en général, on a le retour donc, du collège baseball. Aujourd'hui, on va parler, bien sûr, de, de quelque chose qui a un lien avec le collège baseball. Mais avant tout ça, comme d'habitude, le petit moment promo, hein, je vous rappelle que ce podcast, comme tous les autres épisodes de ce podcast, sont disponibles sur YouTube et également sur votre plate plateforme d'écoute préférée. Hein, euh, un exemple, Spotify, par exemple, au hasard. Pareil, hein, le Homera, vous pouvez euh, retrouver, enfin me retrouver au final sur les différents réseaux sociaux. Hein, euh, les anciens comme Facebook, comme Twitter ou X, Instagram, les plus récents comme TikTok, et donc bien sûr sur YouTube. On va y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Et alors que, comme je l'ai dit, on va parler de quelque chose qui est en lien au collège baseball, j'ai envie de parler d'une chose assez particulière qui fait que euh, on suit euh, de manière assidue le collège baseball. On le suit, en tout cas moi personnellement, je le suis pour la qualité de sa compétition, pas la qualité en tant que euh, qualité finale d'un baseball professionnel, puisque ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de disparités, on peut voir vraiment des, euh, des formes et des niveaux assez euh, disparates, même si je le rappelle qu'au niveau collectif en général, le baseball est un des sports les plus homogènes en termes de compétition euh, universitaire. Mais là, j'ai envie de vous parler de l'autre aspect qui est très intéressant vis-à-vis -vis du collège baseball hein, et, et, et du baseball jeune en général, c'est bien sûr la draft. On le sait, quand on suit ces joueurs-là, et notamment quand on suit la MLB et qu'on a des, une équipe de cœur, on espère bah, pouvoir drafter des joueurs qui vont être les visages, pourquoi pas, de, de notre franchise bah, dans les années à venir. La draft au baseball euh, n'est pas aussi directe, hein, comme vous le savez, que la draft par exemple au basket. Voire en NFL, dans le sens où les joueurs vont d'abord devoir faire leurs dents, hein, tout simplement, vont faire leur gamme dans les ligues mineures, et si tout se passe bien, parce que c'est quand même un parcours du combattant, il y a un aspect mental très 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 poussé, du coup, on pourra s'en sortir, mais si tout se passe bien, on les retrouvera d'ici quelques années au plus haut niveau. On a un exemple hein, assez connu dans une équipe qui a très bien joué cette saison, en tout cas en termes de saison régulière, c'est les Orioles. Les Orioles ont par exemple récupéré Adley Rutschman, ça devait être en 2019. Et pourtant, il n'a vraiment commencé que euh, euh, la saison dernière, hein, pas la saison qui, qui va s'écouler, mais la saison d'avant, euh, au niveau MLB. Donc, euh, ça, ça peut être un exemple parmi tant d'autres qui montre qu'il faut savoir être patient et que ce n'est pas parce qu'on recrute ou on draft un joueur très haut qu'il va forcément être à la hauteur euh, des attentes placées en lui. Je l'ai dit dans, enfin, dans, dans pas mal de podcasts précédents, quand j'ai notamment retracé l'histoire de certaines années en college baseball. On n'a pas forcément retrouvé les meilleurs de cette époque-là au College Baseball dans les meilleurs joueurs de la MLB. Des fois, on a vu des joueurs même qui n'ont pas réussi à dépasser les mineurs ou qui ont dû s'exiler au Japon, etc. etc. Donc, ce n'est pas une science exacte. On va quand même, et malgré tout, faire dans cet épisode qui sera assez court un premier point, on va dire, sur on va dire, les, les, les potentiels joueurs à surveiller pour la prochaine draft, la 2024. Mais juste avant ça, j'ai envie de rappeler que depuis la saison dernière, il y a un événement euh, assez nouveau hein, en MLB, c'est la loterie. La loterie, on la connaît bien par exemple en NBA. Le principe de la loterie est assez simple. Euh, les équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier pour les playoffs, qui n'ont donc pas réussi à avoir les meilleurs bilans pour pouvoir aller en playoffs, se retrouvent en fait... Euh, bah, à se confronter dans un tirage au sort, donc dans une loterie, avec des poids différents. Par exemple, les plus mauvais bilans vont avoir un poids plus fort, c'est-à-dire une probabilité plus forte, hein, plus de chances donc d'avoir le premier choix, ou dans les premiers choix, que les équipes qui ont loupé les playoffs de très peu, en termes de bilan. Mais malgré tout, ça redistribue pardon, un peu les cartes, puisque au lieu que ce soit automatique, hein, avant, je le rappelle, c'était un versement proportionnel au classement, par exemple. Le dernier était donc le premier de la draft suivante, etc., etc. On faisait ça de manière assez simple. Ils ont voulu mettre en place cette loterie, bien sûr, bah, pour qu'on élimine certaines dérives liées, par exemple, au tanking, en limitant euh, les chances quelque part même au plus plus mauvais bilan bah, d'avoir le premier choix. Bah, on les oblige quelque part à comprendre que ce n'est pas en étant dernier qu'on va forcément avoir ce fameux premier choix. C'est quelque part une sorte de, de pansement hein, qui, est mis, euh, qui est mis en place hein, pour voilà, éviter un peu ce, ce tanking, puisque certes le tanking est une stratégie qui, qui, qui peut se défendre, qui peut se comprendre en fonction des stratégies des équipes, sachant qu'en plus euh, chaque équipe n'a pas forcément les mêmes moyens financiers. Mais par contre, euh, il faut quand même penser à la compétitivité, l'attractivité de la compétition et aussi l'attractivité des, bah, des gens qui suivent leur club de cœur ou leur franchise de cœur. C'est très difficile de suivre pendant des années euh, sa franchise quand on la voit batailler dans les fins fonds du classement en attendant d'avoir de nouveau une génération dorée ou de récupérer des gens qui vont finir par bien se développer dans leur farm-system et pouvoir réenclencher une nouvelle période euh, de domination. Donc cette loterie, elle a lieu là dans quelques semaines, là en décembre, et je voulais en parler rapidement puisqu'elle va conditionner bien sûr les, les, bah, les positions de chaque franchise vis-à-vis -vis de la drape 2024. Maintenant que le contexte est posé, j'ai envie de vous parler donc de quelques joueurs, ça va être des joueurs qui sont au niveau universitaire. Je ne vais, vais pas parler de joueurs lycéens parce que honnêtement, je n'ai pas assez de recul. Hein. Je, je vois les noms comme tout le monde, mais c'est des joueurs que je n'ai jamais vus ou très peu vus, si, si ce n'est par des vidéos ou des, ou des rapports, que ce soit sur Baseball America, sur Perfect Game, enfin ce genre de choses, ce genre de sites, aujourd'hui un Baseball, quand il dérive un peu sur, sur, sur les, les jeunes joueurs vis-à-vis -vis de la draft. Mais euh, pour moi voilà c'est plus facile de vous parler des joueurs universitaires qui seront euh, à attendre puisqu'il y en a dont je vous ai certainement parlé dans les précédents épisodes, notamment les premiers quand on était encore en saison, euh, qui ont fait de très très belles choses et qui sont du coup euh, parmi les favoris pour être assez haut placés à la draft. Un petit disclaimer bien sûr avant de commencer, ce n'est pas parce que je parle de noms aujourd'hui que ce seront forcément ces mêmes joueurs qui seront encore attendus à Paris niveau. Tout va dépendre de s'ils sont capables de confirmer durant la saison, en dehors de la saison, si également ils ont montré des choses, par exemple, puisque je vous rappelle que le baseball universitaire, c'est vrai, s'arrête en juin, mais par contre, souvent, ces jeunes, on le retrouve, par exemple, que j'en avais parlé dans un, des, dans un des épisodes, pardon, euh, lors de la Cape Cod League, par exemple, c'est ligue d'été, par exemple, comme la Cape Cod ou d'autres ligues d'été où ils vont continuer à peaufiner leur jeu, à se montrer vis-à-vis -vis des scouts. Mais donc, comme c'est pas une science exacte, hein, on peut avoir des gens qui sont très très bien cotés. Euh, je vais vous donner un exemple, et ça va être un des premiers joueurs dont on va parler. Je vais penser par exemple à Chase Burns. Chase Burns, donc l'ancien euh, lanceur de Tennessee qui a donc transféré du côté de Wake Forest, est un très très haut prospect. Quand il est arrivé du lycée, il a bluffé tout le monde dans un Tennessee qui euh, dominait sans relâche le collège baseball en saison régulière. Il était euh, le... le L'Ace officieux, hein, puisqu'on le rappelle à cette époque-là, L'Ace était Blade Tidwell, mais il avait été blessé. Il y avait un jeune transfuge de sa Miss dont on a beaucoup parlé la saison dernière et qui a un peu déçu la saison dernière, hein, mais qui la saison d'avant a été très fort, c'est Chase Dolander, qui avait donc du coup pris cette place d'Ace, mais en termes de spectacle, en termes de, on va dire, de ferveur, le genre dont tout le monde parlait avec sa, sa grosse, grosse, grosse balle rapide, et en fait, son culot en tant que freshman, c'était Chase Burns. Et pourtant, ce dernier a vite vu vit sa hype bah, partir dans l'autre sens, une sorte de dé-hype ou d'anti-hype, lorsque la saison dernière, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en tant que starter. Alors qu'on pensait que c'était vraiment sa saison de takeover juste derrière Chase on Vous me direz que, euh, à part Drew Bim. Les lanceurs de Tennessee ont eu beaucoup de mal. Brou a été donc le troisième de la rotation de départ à la base, mais c'est lui qui s'en est le mieux sorti vis-à-vis -vis des attentes, bien entendu. Chase Hollander a quand même fait une saison solide, mais en deçà des attentes. Et Chase Burns par contre, lui, ça a été très délicat en tant que starter, au point où il a dû bah, changer carrément de position en termes de... de de priorité dans le sens où il est passé de starter à releveur pour récupérer de la confiance, retrouver un peu bah, ses talents qu'on lui connaît, notamment en termes d'attaque, de, 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 de challenge des frappeurs adverses sur sa balle rapide, et bien lui en a pris, puisque avec ce changement hein, de, euh, de Vitello, hein, à chaque fois j'oublie un peu les noms, mais c'est le coach hein, de, de Tennessee, euh, Toddy Vitello. Avec donc, bah, cette mise en, en place hein, de Jace Burns côté euh, releveur, ça lui a donné une certaine deuxième seconde jeunesse, et ça lui a permis aussi d'aider grandement Tennessee, qui allait assez loin cette saison, hein, je le rappelle, on les a retrouvés en collège joueur de series, alors qu'ils ont fait une saison régulière beaucoup plus compliquée hein, que, que ce qu'on attendait. Malgré tout, malgré tout ce qui s'est passé... On ne saura jamais exactement, à moins qu'il en parle lui-même ou qu'il en ait déjà parlé lui-même et que je ne l'ai pas vu, mais on ne saura jamais exactement. Mais il y a eu une bascule qui fait qu'il a décidé d'entrer sur le, trans le portail des transferts. Et donc, ça a été un des gros transfuges de cette euh, intersaison, on va dire, au niveau universitaire, en termes de college baseball, puisqu'il a décidé de rejoindre Wake Forest, Wake Forest qui a fait une saison... Euh, all time dans son programme, hein, tant que, je ne parle pas dans l'histoire de baseball euh, universitaire, mais vraiment dans l'histoire du programme de Wake Forest. Ça savez depuis les années 50 qu'on n'avait pas vu Wake Forest à Paris Fête, et clairement, euh, s'il si n'était pas tombé sur un LSU euh, euh, de, de cette puissance de feu sur, sur la, la, la dernière ligne droite, bah, très difficile de ne pas voir Wake Forest remporter un premier titre universitaire. Eh bien, bah, Wake Forest, justement, euh, récupère. Chase Burns, Chase Burns, qui va être un, accompagné d'un autre prospect qui pourrait être euh, vu comme un très haut prospect, c'est euh, Josh Hartle. Josh Hartle, lui, il faisait partie euh, de ce one 2 three punch de Wake Forest. Ils étaient réputés pour ça, c'est-à-dire leur starting, euh, leur rotation, on va dire de, de lanceurs partants, pardon. Euh, bah, euh, bien sûr, euh, highlighté par. Euh, euh, voilà, j'oublie tous les noms. C'est un truc de fou. Euh, il a été drafté très haut, il est très fort. Euh, j'en ai parlé beaucoup de lui la saison dernière, mais là j'ai un trou au moment où j'en parle. Euh, pff, euh, Red louder, bien sûr. Red louder. Euh, D'ailleurs, si vous me permettez, je vais essayer de régler quelque chose parce que je me rends compte j'ai un petit écho dans mon micro. Je pense que mon micro n'est ne, pas bien branché, en tout cas ne marche pas bien. Donc, désolé à l'avance si le son pour ces premières minutes n'est pas tip top comparé au son habituel. Je vais pas faire comme si le son habituel est incroyable, mais là je sens vraiment qu'il y a comme un écho. Donc, j'ai l'impression que c'est le, le, le micro de l'ordinateur au final qui, qui réceptionne ma voix au lieu que ce soit mon micro. Bon, pour vous, la, la transition est brutale. Pour moi, ça a quand même pris plusieurs minutes. J'avais un problème en effet avec, pour raconter à ma petite vie, hein, avec le, le fil en fait qui connecte le micro à l'ordinateur. Euh, oui, oui, il, il faut réinvestir un peu plus dans le matériel, je le sais, je le sais bien. <laughs> mais bon, désolé encore une fois pour la qualité du son assez médiocre sur les 10-12 premières minutes. Là normalement ça devrait être un peu mieux. Euh, mais donc je parlais de Josh Hartle, je parlais donc bien sûr de red louder et donc de cette rotation assez incroyable... Avec un euh, premier IRA de, 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 de tout le collège baseball de la saison dernière. Hein, je pense c'était à deux et quelques euh, d'IRA. Euh, et bien, cette saison, Josh Hartel va être associé à Chase Burns si tout va bien. Hein, euh, je pense que c'est le plan à la base de Wake Forest dans, euh, dans ce sens-là. Mais, euh, mais donc, voilà, on va voir ce que Chase Burns va pouvoir faire. Je vais vous rappeler tout d'abord rapidement, bah Chase Burns s'affiche, et ensuite je vais profiter parce que j'ai quand même commencé à parler de Josh Hartle, je vais aussi vous parler de Josh Hartle s'affiche, un peu pour pourquoi on les attend. Donc Chase Burns, comme je l'ai un tout petit peu dit en préambule, c'est une balle rapide, assez incroyable, c'est un, un lanceur spectaculaire qui est assez agressif, et le problème justement c'est cette agressivité puisqu'il avait un, pas mal de problèmes de commande, hein, de contrôle bien sûr de, de, sa, de ses lancers. Hein. Et, et tout ça a créé ce début de, de, de problème la saison dernière où le, les, les batteurs ici sont quand même des batteurs assez forts hein, dans le collège baseball. On faut dire quand même qu'ils pouvaient se retrouver euh, face à des joueurs assez incroyables qu'on a retrouvés d'ailleurs euh, parmi les, les meilleurs joueurs draftés limite euh, la saison dernière. Mais donc, je le rappelle, c'est une balle rapide assez assez euh, voilà, de feu, hein, tout simplement, je cherche mes mots. Aller, en, aller aux alentours d'aller de 96 97 miles par heure et on peut avoir des balles à 3 digits, ça veut dire des balles qui vont à plus de 100 miles par heure assez, assez régulièrement hein, avec ce joueur-là. L'autre euh, balle puisque c'est un joueur qui est vraiment spécialisé sur deux balles précises, sa balle rapide et une autre une balle off speed, c'est sa slider. Cette slider, elle est assez rapide un hein, point slider parce qu'elle se loge euh, au-delà des 85 miles par heure et surtout l'année dernière elle générait plus de 60% de swing and miss ça veut dire euh, bah des joueurs qui vont euh, quand même euh, aller tenter d'aller rattraper cette balle et qui vont louper bien sûr le coche et ne pas toucher la balle donc attention, c'est un joueur très dévastateur. Est-ce que c'est suffisant pour un, pour un starter On a vu des starters, je, vous, je, peux, je peux vous rappeler juste Jacob de Grom, par exemple. De Grom, c'est un joueur spécialisé sur deux balles principales. Hein. Et c'est justement dans ce profil-là, il se ressemble un peu. Alors je dis pas du tout que Chase Burns va avoir la même carrière que Jacob de Grom, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je lui souhaite bien entendu, hein. il en est très loin, il a beaucoup de choses à, à travailler, notamment euh, la constance, le contrôle, euh, et, et, et surtout cette constance sur la longueur, parce qu'il veut rester un starter. On a vu que l'année dernière, par exemple, en tant que relever, c'était très bien, parce que c'était sur des courtes séquences, sauf un match dont je me rappelle, il avait très vite pris le, euh, le, la place du starter, c'était en Supers ou en Collège World Series, un des premiers matchs de College World Series, je pense. Et il avait été incroyable parce qu'il avait lancé quand même pour six manches en relève. Et avait tenu en fait Tennessee. Il leur avait permis justement de, de remporter ce match-là. Donc je pense que c'était les Supers. Mais bon, euh, je vais pas vous mentir. Je n'ai pas une grosse grosse mémoire là-dessus. Sur quel match exactement où il avait performé. Il avait fait plusieurs matchs très très intéressants de toute façon lors du tournoi national. Mais voilà pour Chase Burns. On va essayer d'aller un peu plus vite puisque j'ai envie de respecter ma parole qui disait à la base que ce serait un podcast assez court. Mais je sais que comme j'aime bien parler et parler et parler et décorer un peu le tout, ça prend plus de temps. Mais voilà, on parle de Josh Hartle. Josh Hartle, euh, lui c'est un peu l'anti... Euh, <laughs> c'est l'anti Chase Burns. Chase Burns c'est vraiment du spectacle. Une balle rapide de ouf, euh, une slider, mais deux pitchs hein, principaux. Alors que Josh Hartle, c'est le, le contraire. Il a plusieurs pitchs qu'il qu arrive à maîtriser. Euh, très clairement, lui, c'est les pitchs off-speed qu'on va, qu va regarder de son côté. C'est un lanceur South Po, hein, c'est-à-dire un lanceur gaucher, hein, tout simplement. Il a, pour commencer, euh, bah, des balles en fait, cassantes, que ce soit une slider. Que ce soit une curveball. Et ces curveball et slider, euh, ça se situe à peu près dans les 80 miles par heure. La curveball est, est plus lente hein, que la slider, mais tout ça, ça se situe dans les 80 miles par heure. Il a une balle rapide qui n'est pas très rapide. Hein. C'est une balle rapide qui arrive peut-être à 90, 91, 92 maximum miles par heure. Euh, et surtout, avec son, son, cette combinaison de pitch qu'il a. Il a une combinaison quand même assez incroyable, comme je l'ai dit, il a plusieurs pitches dans sa, dans sa besace et une commande, un contrôle qui est très intéressant. Bah en fait, ça contrebalance hein, le fait qu'il n'est pas forcément euh, une balle qui va être agressive, mais par contre, ça contrebalance avec ce gros contrôle. Euh, je le rappelle, par exemple, la saison dernière, c'est quelqu'un quand même qui a réussi euh, à avoir un Yare à 2 euh, je pense 2.50, 2.60 de, de, de mémoire, euh, sur sa carrière, sur sa carrière en, en baseball universitaire, je pense qu'il a 2.80 ou un truc comme ça aussi de, de mémoire, et surtout, euh, il, a, il avait un, un ratio entre le nombre de strikeouts et de buts sur balle concédés de 140 pour 24, 140 pour 24 les gars. Donc je vous le dis, <laughs> faut pas se fier juste au nombre parce que c'est vrai que par exemple les scouts vont beaucoup regarder euh, des profils par exemple paul skins pour ne parler que de lui puisqu'il vient d'être drafté. C'est-à-dire des profils qui euh, ont une certaine explosivité quand qu ce qu'ils appellent euh, the stuff avec euh, avec leurs balles rapides notamment et qui sont spécialisés sur deux maximum trois balles mais qu'ils maîtrisent à merveille. Bon, Paul Skins il est beaucoup plus avancé que James Burns dans le sens où il a quand même une, un beau contrôle c'est hein, différent mais il faut jamais sous-estimer ces joueurs qui ont euh, une grosse palette de lancer et qui arrivent surtout à euh, bah, quelque part à piéger leurs adversaires parce que c'est un peu le principe hein. on veut un lanceur qui soit fiable pour pouvoir piéger sur la distance des adversaires et Josh Hartle c'est clairement ce type de, de, de lanceur donc à voir bien sûr où ces deux lanceurs seront rankés mais du coup avec Forest continue cette jeune tradition de lanceur super fort euh, dans sa rotation avec ces deux lanceurs. On va passer aux quelques autres joueurs que je voulais présenter et on va commencer par un joueur qui a été une des stars bah, de LSU et notamment une des stars bah, du, du, des College World Series. Euh, pour moi, il a été limite le meilleur joueur des College World Series devant euh, Dylan Cruz et c'est vous dire, je parle bien évidemment de Tommy White. Tommy White, c'est un beau bébé et c'est pas pour rien qu'il est surnommé Tommy Tanks. Tommy Tanks, j'en avais parlé, euh, alors peut-être pas en podcast, mais je sais que j'en avais parlé en article euh, à l'époque du feu site leomera.com avec, un, un, avec des articles quand il était déjà à NC State. Puisqu'il faut le savoir, sa saison euh, freshman qui était de haute, de, bah, de haut vol simplement, parce qu'il a été un des meilleurs joueurs. Bah, euh, dès sa saison freshman il a été un des meilleurs joueurs de la nation et donc forcément un des meilleurs si ce n'est le meilleur freshman de la nation euh, bah, il est à NC State il a fait une grosse, une grosse première saison à NC State mais il a voulu transférer du côté de lSU pour amener encore plus de stars entre guillemets du côté de lSU bien lui en a pris parce que lors de sa saison sophomore euh, bah, il a montré ce qu'il était capable de faire notamment en termes de, 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 de frappe hein, parce que lui ça la batte qu'on va l'attendre c'est un joueur qui, comme j'ai dit, c'est un beau bébé. Il est très très costaud. Il a une grosse puissance. Par contre, en termes de, euh, on va dire, de, de, de côté athlétique, de côté physique, de côté, euh, euh, on va dire, ces outils en fait, euh, physiques et athlétiques, ne sont pas là. Et, c est, et c est, ce qui veut dire qu'au plus haut niveau, il pourra pas jouer troisième base comme il joue troisième base actuellement. Euh, certainement, ce sera un première base. Et, et, et peut-être à terme, ce sera un DH par exemple. Mais en termes offensifs, c'est un joueur qui l'année dernière, en tant que sophomore, avait une moyenne à la batte de plus de 37%, un OBP, un on-base percentage de plus de 43%, un slugging percentage de 72,5%, oui oui, 72,5%, pour 24 home runs et pour 105 RBI, 105 points produits, c'était tout simplement la meilleure marque en D1 Baseball l'année dernière. Et il a été clutch, notamment face à justement Wake Forest, euh, même face à Florida en finale. Ça a été un des meilleurs joueurs de LSU la saison dernière. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va encore nous proposer cette saison, mais euh, ne soyez pas surpris si vous entendez parler de Tommy White assez haut. Encore une fois, le frein, c'est euh, ces problèmes athlétiques qui vont bah, peut-être freiner les scouts, parce que euh, en termes de défense, euh, en termes même de, euh, bah, de menaces sur base, c'est pas forcément ça. Par contre, il vous amène ce, 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 bah, ce côté puissance. Et surtout ce, ce. Malgré la puissance, il est quand même assez bien discipliné dans le sens où il a quand même une, une belle capacité à contacter la balle. Puisque souvent on peut voir des profils qui vont peut-être être très forts en termes de... Une fois qu'ils ont contacté la balle, bah, ça part en home run. Mais par contre, pour contacter la balle, on peut se lever de bonheur. Et ça justement le prochain joueur dont je vais parler, dont on espère beaucoup cette saison, c'est bien sûr Jack Caglione. Jack Caglione. Euh, donc bien sûr le sophomore qui va devenir junior cette, en 2024, là, cette saison-là euh, de, de Florida, c'est un de ces two-way dont on parle souvent, surtout ces dernières années avec euh, des phénomènes comme otani en MLB. C'est donc un fantasme, hein, quelque part, euh, au niveau de la MLB. Faut le savoir, il a fait une très très belle saison, une très grosse saison, à avoir hein, ce type de joueur. Two -way et être consistant ou constant en tant que toué, c'est pas si facile que ça, parce que je vais parler d'un autre genre juste après, vous allez voir. Mais malgré tout, on a vu les limites des deux côtés de la, euh, bah, des deux côtés de la balle en termes de baseball, c'est-à-dire en tant que lanceur et en tant que frappeur, euh, les limites et le plafond de verre qui actuellement atteint Caglione au sortir de sa saison sauf au mort. Donc je vais vous sortir ces chiffres tout d'abord, parce que c'est assez exceptionnel. Hein. Euh, il a réussi l'année dernière, en termes d'offense, à Frappé pour 32% à la batte, 38% en, en base percentage et 73%, plus de 73% en swinging percentage. Par contre, il faut savoir que c'est un joueur qui, en fait, euh, la zone de strike, pas zone de strike, il s'en fout. En fait, lui, il va whiff à tout ce qui. Dès qu'il y a un lancer, il whiff. J'exagère un peu, c'est vrai, mais euh, son ratio strikeout work devait être assez, euh, assez euh, difficile à voir. Dans le sens où c'est quelqu'un qui strike out, qui se fait strike out assez facilement entre guillemets. C'est-à-dire de manière assez. Euh, euh, comment je peux dire Le français encore une fois. Vous allez me corriger, mais voilà. De, assez facilement dans le sens où... Assez souvent, voilà. Plutôt assez souvent. C'est pas forcément facile de le, de le strike out, mais c'est plutôt que c'est ça arrive assez souvent, puisqu'il va tout le temps tenter de contacter la balle. Des fois, sans, sans faire fi en fait de la zone de strike. Donc. En espérant qu'il a travaillé sur cette discipline-là du côté offensif. Maintenant côté lancé, euh, bah, quand on regarde ses chiffres euh, globaux, c'est quand même très intéressant. Il a eu un arrêt de 4.34, c'est pas ouf, mais c'est pas si mauvais que ça. Euh, sachant euh, bah, tout ce qu'il a dû faire en, tant que, en termes d'efforts, hein, en tant que toué, avec notamment 87 strikeouts en 74 manches, un peu plus 74 manches. Euh, il faut le savoir pourquoi il intrigue, c'est pour sa balle rapide. Il a une balle rapide qui est très très intéressante mais par contre il a montré de belles et de grosses limites et notamment lors de ce fameux match en finale hein, qui, bah, où il explose tout simplement hein, face aux bats expérimentés et aux bats explosifs de LSU, il n'arrivait pas à trouver la zone. Et quand il trouvait la zone, il la trouvait peut-être un peu trop bien, ce qui fait qu'il a pris un éclat, un éclat que Florida n'a jamais pu rattraper et au final ils ont perdu très vite sa dernière, bah, dernière balle de match, ce dernier match hein, qui allait décider du champion. Euh, donc c'est ce qui peut faire peur, c'est-à-dire que ça reste un diamant brut des deux côtés en fait de la balle. Euh, et je pense que, que si on regarde un peu les, les, tout ce que va dire euh, bah, par exemple Baseball America ou même MLB.com, euh, je pense qu'en général les scouts ont plutôt préféré ce, ce qu'il apporte offensivement en tout cas pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, c'est un gros prospect, ça va être un peu la star à suivre hein, en termes de baseball universitaire la saison prochaine. Est-ce qu'il va réussir à tenir en tant que Toué Est-ce qu'il va décider de se focaliser sur, quelque... sur un de ses aspects, notamment l'aspect offensif, qui pourrait lui quasiment lui donner la... voilà, un des top, peut-être top 3 ou top 5 de la prochaine draft, si bien sûr il montre des progrès, encore une fois, dans cette propension à aller chercher n'importe quel pitch. Euh, attention, retenez bien donc ce nom du côté de Florida, Jack Caglione. Avant de continuer de finir, je vais faire une mini-pause. Pour vous, c'est une pause musicale de quelques secondes. Pour moi, c'est une pause boisson, une pause eau. Je bois de l'eau. J'arrive. Et donc, comme j'avais voulu faire des liens entre chaque joueur dont je voulais parler, je vais vous parler de l'autre joueur qui, à la base, à son arrivée euh, bah, en université du côté de Stanford, était euh, euh, vu par tout le monde comme euh, la two way player que tout le monde devrait s'arracher plus tard en MLB, mais qui, au final, bah, s'est plutôt développé euh, du côté, on va dire, de, 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 du champ, en fait, tout simplement, plutôt que du côté euh, du, du monticule. Ce joueur, c'est Braden Montgomery. C'est un outfielder du côté de Stanford on le connaît très bien. Et il a fait ses deux premières saisons là-bas. Il a fait partie d'un Stanford qui a continué à aller en college World Series et il a contribué plus qu bah, plus que même contribué autour de stars hein, comme Tommy Troy par exemple pour ne citer que lui. Il y en a beaucoup d'autres qui étaient à Stanford et qui ont été draftés assez haut, hein, notamment. Et bien, euh, sa saison sophomore a été très bonne comme sa saison freshman. Plus de Quasiment 34% de moyenne à la batte, 46% d'un base percentage, ça c'est très important parce que c'est un joueur qui de manière physique aussi apporte de belles choses. D'ailleurs, il l'a montré aussi en termes de défense à la outfield, même si il a fait quand même quelques erreurs, il n'a pas été incroyable et parfait, mais il a montré de belles choses grâce à ses qualités athlétiques et physiques. Donc. C'est un joueur qui peut aller sur base assez presque 50% du temps au niveau universitaire. Attention, il hein, faut savoir qu'il y a un gap hein, entre le niveau universitaire et la bien entendu. Et donc en swing percentage j'étais à 61% pour notamment 17 home runs. Par contre, euh, du côté du Monticule, là le blesse déjà l'a très peu lancé, hein, 14 manches au total. 14 manches avec un ratio strikeout but sur balle de 19 strikeout pour 11 buts sur balle donc c'est euh, dangereux on va dire il quand même il a quand même montré euh, un problème de, de, de commande qui a amené pas mal de joueurs euh, bah, simplement en première base par le but sur balle et surtout il avait un niarrêt bon c'est un échantillon plus petit forcément donc quand on, quand on lance aussi peu ça peut très vite gonfler ou ça peut être très bas en fonction des performances mais il a eu un niarrêt de 12.21 donc à l'heure où on parle, je ne pense pas que les scouts vont se focaliser sur cet aspect two-way et notamment sur cet aspect lancé. Par contre, comme j'ai dit, ce qu'il a montré que ce soit offensivement ou défensivement en tant qu'outfielder, notamment du côté du right field, hein, donc du champ droit euh, du côté de Stanford, bah, ça intrigue. Euh, je peux vous donner quand même le, le fait que euh, lui, il a une balle rapide aux alentours de 95-96 miles par heure, donc c'est intéressant. Et ça peut justement l'aider aussi en tant que right-fielder, donc en tant que champ extérieur, à pouvoir tenter des relais défensifs avec la puissance de son bras. Donc voilà, c'est un très haut prospect. Il a transféré pour info du côté Texas AM. Hein, C'était l'autre star dont on attendait les nouvelles hein, en termes de transfert au niveau universitaire avec Chase Burns. Donc voilà pour euh, euh, Brayden Montgomery. Je vais vous parler encore de deux autres joueurs. Le premier c'est un lanceur, c'est Brody Brecht. Ou, ou Brody Brecht. Je ne sais pas comment on le prononce son nom de famille. Mais alors lui, c'est un lanceur d'Iowa, Iowa qui a quand même eu pas mal de lanceurs assez sympathiques ces dernières saisons. Et euh, les gens l'aiment bien puisqu'il ressemble pour le coup vraiment à Paul Skins, mais sans le contrôle. Sans le contrôle, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a une balle rapide, bah voilà, qui dépasse les 3 digits assez aisément. Hein. On l'a vu à plus de 100 miles par heure, et il a cette fameuse slider qui fait penser justement à Paul Skins. Cette slider qui, à la fois, bah, slide, c'est-à-dire ce mouvement horizontal, mais, mais qui arrive à descendre aussi. Enfin, c'est assez, assez spécifique. Hein. Si vous avez de, euh, le temps d'aller regarder un peu quelques vidéos, ça, ça peut être intéressant. Euh, Brody Brecht, donc, c'est un joueur. Qui joue peut-être pas dans la plus grosse conférence en termes de baseball, et à la base, il faut le savoir, je... même moi je n'étais pas au courant hein, avant de me renseigner un peu sur notamment MLB.com, mais lui il avait une bourse euh, grâce au football. C'était un wide receiver. Alors c'est pas du tout euh, rare, hein. c'est très commun de voir beaucoup de, de jeunes, hein. d'ailleurs dans, dans cette classe de, de, de joueurs à, à surveiller, bah, c'est pas le seul justement qui avait une, une bourse de football, ou en tout cas qui avait un, un très beau profil football, mais qui s'est ensuite focalisé sur le baseball. Euh... Alors, pour vous donner les chiffres, hein, pour finir, j'ai parlé un peu de ses skills. Euh, balle rapide très intéressante, une slider très intéressante. C'est un joueur qui l'année dernière a réussi, euh, 3, en, enfin, a réussi à avoir un arrêt de 3,74. C'est pas si mal. 109 strikeouts en 77 manches. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, la moyenne à la batte de ses adversaires, à, à peu près 14%. Donc, c'est quelque chose à à, à valuer, à, à voir comme quelque chose de très intéressant, notamment si ça se trans où ça se traduit, oui, dire se translate. Si ça se traduit au plus haut niveau, mais bon, bien sûr il y a du travail, comme j'ai dit, c'est encore un joueur à polir. Euh, pareil, par contre pareil, en termes de but sur balle, il était quand même plutôt propre. Donc voilà, c'est un joueur à à surveiller. Et l'autre joueur dont je voulais parler, puisque lui fait partie des mid majors, et comme souvent en college baseball, on a des profils un peu mid majors qui sont très très intéressants. L'année dernière, enfin, je vous ai beaucoup parlé de Nolan Chanuel, et d'ailleurs il a été drafté très très haut, euh, l'ancien joueur de FAU. Là, je vais vous parler d'un joueur de Northeastern, et Northeastern d'ailleurs c'est une fac qui a fait de très belles performances la saison dernière, donc à surveiller parmi les mid-majors, puisqu'ils ont, ils ont encore un groupe très solide. Là, je vais vous parler d'un joueur qui euh, euh, arrive du côté de Northeastern avec, on va dire, un pédigré qu'on n'avait pas vu depuis longtemps dans cette fac. Tout simplement. Mike Sirota, c'est un joueur qui l'année dernière euh, a réussi à avoir une ligne de stats très très intéressante avec plus de 34% à la batte, plus de 47% en OBP, sachant que c'est un joueur qui a une propension à voler des bases. Donc c'est très intéressant d'avoir un tel OBP au niveau au universitaire hein, et euh, 67% euh, de slugging percentage. Il a accompagné ça en termes de toto. À 18, avec 18 home run et 19 euh, bases volées. C'est un joueur qui peut jouer dans la haute file et notamment en termes de sans centre. Et comme j'ai dit, voilà, il, a des, il a des outils athlétiques et physiques très intéressants au-delà de son approche de la batte. Donc c'est un joueur vraiment très intéressant à suivre. Et pour l'instant, je pense que c'est le dernier joueur dont je vais vous parler, en tout cas pour ce podcast. Euh... J'aurai l'occasion de revenir sur d'autres joueurs hein, au fur et à mesure de la saison. Peut-être je reviendrai aussi sur euh, un peu, une sorte de classement petit à petit quand on va voir les joueurs de, jouer de plus en plus. Et puis peut-être incorporer les joueurs lycéens aussi très intéressants pour la prochaine QV, la prochaine draft. Mais voilà, c'était une petite introduction à certains joueurs, certains noms que vous risquez d'entendre s'ils arrivent encore une fois à confirmer les espoirs placés en eux sur ces dernières saisons. Et quant à moi, je vais tout simplement vous dire à très bientôt. Restez bien sûr connectés avec le Homerad. D'ici la fin de l'année, d'autres choses vont arriver. D'autres épisodes, je l'espère bien. Peut-être une vidéo d'ici la fin de l'année, je l'espère également en fonction bah, du temps que je peux y consacrer. N'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Ça m'a fait très plaisir de voir certains retours de, de certains d'entre vous. Ça m'aide aussi euh, bah, psychologiquement, c'est toujours sympa. Et euh, peut-être que vous entendez ma fille pleurer. Mais je suis un bon papa, donc je vais m'arrêter là et vous dire à très bientôt. 瞧瞧